Alors, des gens reçoivent une vidéo, oui, à la Mecque, un homme prétend être le Mehdi, il correspond parfaitement à la description et tout. Regardez bien, vous allez être choqués. Hein. Et vous voyez que la vidéo entière est postée sur notre Twitter, Insta, blablabla. Faut que tu rajoutes les deux pour que tu es sûr d'être accepté. Donc quand tu vas, il s'est mis en privé. Comme ça, les gens qui sont intéressés par sa vidéo, bah, ils vont s'abonner. Et lui, il gagne des abonnés. Mais wesh, à quel moment on est où là? Après les. Pendant que t'avances dans ton dîne, elle parle avec Zinedine. Après l'autre mode des deux à de l'opprimé. Attends, tu vas voir deux à de l'opprimé. Maintenant, carrément, pour monter ses abonnés dans Telegram ou dans je sais pas quoi, dans Instagram, Twitter, ça utilise le Mehdi. Genre, ouais, y a un mec qui se prétend pour Mehdi, les gars, là, toutes les descriptions, venez, ouais, c'est chaud, c'est la fin. Je calme un petit peu, les gars. En fait, si dans ta religion, tu perds ce qu'on appelle le ta'zim, tu perds cette sacralité, tu perds cette. Tu peux être un pécheur, Zama, t'es dans tes péchés, mais le dîn, attends, le dîn dans ton cœur, t'as du edeb, t'as du courage. Non, c'est fini. Maintenant, tu vois des mecs qui font des vidéos, ouais, le jour où je me suis tapé avec un imam, l'autre, le primé, à la. En fait, quand tu perds la sacralité, t'as tout perdu. Il n'y a plus d'espoir, t'as tout perdu parce que t'as même plus de respect pour ça. À l'époque, les gens, ils vendaient même de la drogue. Quand tu venais, tu leur parlais de Dieu, ils avaient honte, ils baissaient le regard. Ils avaient un respect pour la religion de Dieu. Maintenant, non, la religion de Dieu, elle est utilisée pour faire des moqueries. Que Dieu nous guide. Tout ça là, faites-vous pas avoir. Hein, quand même.